Bonjour. Ok, donc on est à Marseille. Non, bah non, on est dans le sud. Pourquoi ouais, Marseille dans le sud. Bah parce que Marseille, c'est beau. Moi, j'aime Marseille. Je pourrais vivre à Marseille. C'est l'hiver, il fait un peu froid. Vous êtes sous votre plaid et vous buvez du thé chaud. Eh bien, nous sommes là pour vous réveiller en douceur. À tout de suite. Alors. Putain, j'ai des retouches. J'ai des retouches à faire. J'en peux plus de lui. Aujourd'hui, on va vous apprendre à moderniser et récupérer et retaper une vieille table abandonnée. Et vous allez voir que c'est la classe à Dallas. Et pour ça, il vous faut. Moi, j'ai été chez Emmaüs, parce qu'Emmaüs, c'est un peu ma passion dans la vie. Passion Emmaüs. Passion Emmaüs. On trouve des meubles de fou à des prix défiant toute concurrence. Cette table pour la modique somme de 499 euros, Maryse. Non, pardon. Ouh là 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 là, il a la connerie, mais la mauvaise connerie aujourd'hui. Non, alors, je vais vous montrer cette table magnifique. Combien que tu l'as payée, dis donc? Je l'ai payée 40 euros. C'est une table qui, d'un seul coup, tu la regardes et tu fais « c'est un peu une table de grand-mère ». Elle a une drôle de forme, hein, quand même. Moi, j'adore. Le plateau se désolidarise du pied. Il y a un petit tiroir, c'est vraiment typiquement, alors on peut s'en servir bien évidemment comme table d'entrée, de console, tout ce oui, qu'on veut. Oui, c'était une table de quoi à la base? Ça, c'est une bizarre. Console d'entrée, ça c'est sûr et console certain. Console d'entrée? Je pense que les pieds, il faut les sous-coucher. Ouais, et bah oui. Et le plateau qui est plat, on va le poncer. Bah tout à fait. Ces actions peuvent être faites en extérieur. C'est même mieux, hein, parce que dehors on respire, dehors on... Parce que et là... puis pour une fois, nous ne sommes pas dans le sud, nous sommes dans le nord et... Guess what? Il pleut pas. Bah, il fait beau toujours chez nous. Hein. Non, il fait toujours un temps de merde à Paris. Alors, on va le peindre en noir avec une peinture spéciale noire mat. En fait, on aurait pu prendre du brillant, sauf que le brillant, c'est ringard, je trouve. Donc là, on va donner un côté archi-contemporain à cette table. Comment? En la peignant en noir mat, mais vraiment mat, et en la vernissant avec un vernis mat. Donc on aura vraiment l'impression d'avoir la bagnole de Batman, mais ce serait une table. Et ce côté mat, ça modernise les choses. Allez, prends le plateau, je prends les pieds, on monte, on va dehors. Allez, prends ton pied, ben. Allez, rendez-vous au bac à sable. Hé hey. Alors, on va mettre une petite bâche en dessous la table. Une toute neuve. Une toute neuve qui n'a jamais servi. Mais je la trouve belle, cette bâche. Bah ouais, mais du coup, elle est plus jolie que... Hein, elle est magnifique, ouais. Je trouve. Qui ponce? Ah, il ponce, Yusukush. Yusukush. Et Yusukush les côtés aussi. Yes. Parce que trop arrondi pour poncer. D'accord? Ok. Voilà. Il faut enlever les petits pets là avec la ponceuse et comme ça, ça sera nickel. Alors, hey, tu sais quoi? J'avais des a priori... On entend bien le moteur, hein? J'avais des a priori sur ces nouveaux trucs pour poncer, là. C'est transparent, c'est comme ça, c'est comme un petit grillage. C'est ce qui remplace le papier à poncer. Mais ça, voilà, ça remplace le papier à poncer, ça dure plus longtemps et c'est vraiment bien pour le ponçage. C'est vraiment ce qu'on appelle une primaire d'accroche, donc ça sert juste à ce que la couche de peinture va bien adhérer. Mais le but, c'est de mettre vraiment une fine couche et de l'étaler le plus possible comme ça, parce que sinon ça va mettre des plombs à sécher et après vous n'allez pas pouvoir peindre par-dessus. Les gens aiment quand c'est Phil qui explique, parce que Phil il explique bien comme un professeur, il est très technique, il est didactique, il est super explicatif, ah, c'est ça, ouais, foutoi il de explique moi, hyper d'accord, bien. Ouais, d'accord, ouais. Et je pense qu'en plus il a un public féminin qui craque complètement pour ses explications. Bizarrement le son de sa voix passe mieux chez les femmes. Mais j'étais pas là quand tu l'as expliqué déjà, donc je sais pas. Genre le gars il est, tu sais, sanctionné. Ah bah hein. On me censure, ça vous le savez pas, mais il y a plein de trucs que je dis, elle me censure, hein, elle fait couper, parce qu'elle a peur que je lui fasse de l'ombre, et oui. Exactement. L'appétit d'un aigle, les ailes d'un moineau, hein. Ôte-moi d'un doute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va bien le peindre en noir mat, le plateau. Ouais. Et bon, alors, bah donc, so what? Bah donc, je peux faire ça, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, non, mais j'ai poussé exprès, non. Mais c'est... Non, j'aime pas la sous-couche. Sur les... Non, mais putain, c'est mais pas vrai. Non. Tu me laisses mon plateau comme ça. Mais on va le peindre. C'est... Je m'en fous. Je trouve que quand il y a de la sous-couche sur un plateau de dessus, on le voit. Que quand c'est brut de poncer, c'est pour ça que j'ai poncé, on voit moins. Tu mets... Mais n'importe quoi. Non, c'est... Hey. Oui, Valérie. D'accord, Valérie.
Je vais le tuer. Il faut pas trop fâcher les vieilles personnes parce que elles ont des petites habitudes. Je te vois. Mais je fais le côté. Sinon je tu vas avoir des éclats. Mais, dis-moi, c'est ton père Christian Clavier ou comment ça se passe? C'est ok. Ok, j'accouille la fripouille avec ses dents de camembert. C'est ok. Je vais te taper, je te jure, Je vais te taper. T'es le fils à Jacouille, quoi. Hein? C'est ça, cette haleine le matin, en fait. Viens, viens. C'est comment on m'appelle dans le milieu? Attends. Ultra Bright. Viens là. Ultra Bright. Ah bah voilà, t'es le frère à monsieur. Oh. Mon amour, bah oui, tu sens comme Phil, c'est ton papa. Pour ça que tu le colles. Et oui, c'est papa Phil. Maquilleuse, elle transpire un peu de la moustache, là. Est-ce qu'on peut avoir une éponge? Il y a des grosses gouttes. Maquilleuse. Il arrête pas de dire que je suis vieille. Pas du tout. Elle vient de se réveiller, regarde, regarde sa teuté. J'adore qu'on m'éponge. Tu vois, tu t'énerves là. Elle a pris un coup de sang, maman. Un jour, je ferai un tuto sur la ménopause, tu verras. C'est le moment de peindre. Il y a des tables qui sont très belles en bois brut et je ne fais rien dessus. Mais et oui. Puis, il y a des fois où j'ai envie. De toute façon, elle a fait son temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la jette? De toute façon, on la jette. Elle était jetée voilà. Déjà, puisqu'elle était chez Emmaüs. 40 euros, voilà. Elle est déjà sacrifiée, cette pauvre table. Donc, autant, là, on va lui redonner un peu de jeune, de beau, de. Pff, ça va être super. Je dis oui à la jeunesse, oui à la nouveauté. Alors évidemment, hein, on l'a déjà dit mille fois, mais on va mettre deux couches. Hein. Ah oui, on va mettre deux couches, surtout du noir mat. Ah oui. Parce que le noir ne se révèle jamais à la première couche, comme toutes les autres couleurs, vous me direz, mais particulièrement le noir et le rouge. On ne peint pas les côtés d'un tiroir parce que la peinture va faire une micro-couche d'épaisseur et on ne pourra plus faire glisser le tiroir élégamment. Alors oui, quand vous tirerez le tiroir, on verra toujours la couleur d'origine du tiroir. En même temps, c'est pas bien grave et ça permettra de continuer de laisser glisser le tiroir totalement limpidement, enfin bref, voilà. Peigner que la façade. Voilà, c'est clair. Alors, on va laisser sécher la première couche. Double salto, allez, youpi, allez, oui, attention. Mais oui, c'est bien, bravo, mais quelle belle prise, bravo. Et c'est le moment de la deuxième couche, le moment tant attendu, où le noir commence à se révéler. Et on peint du noir sur du noir, on n'y voit plus rien. C'est la brillance qui va vous dire si vous avez déjà peint ou pas. Ou la mémoire. Nous avons passé 14 couches. Non, je rigole, on en a passé 3. 3. Et maintenant, arrive le moment où il faut vernir avec un vernis mat. Pour ça, c'est important. Voilà, c'est important. Très important. Surtout pas de vernis brillant, non. Sinon l'effet mat que nous avons voulu donner à cette table pour la modernesa, va être battu. Si vous prenez un vernis brillant, c'est mort. Et pour ce faire, on a pris un vernis spécial impact, donc un truc vraiment costaud. Et moi, j'ai pris un rouleau mousse. Exactement, pour ne pas faire de peluche avec le vernis. Comme c'est toi le plus doué, je vais te donner le plateau à faire. Moi, je vais faire le pied. Hein, voilà, d'accord. Allez, bisous. Pour qu'aucun endroit ne soit oublié, donc c'est blanc et évidemment, en séchant, c'est transparent. Ça s'en va. On pense que pour vous faire plaisir, comme vous avez été extrêmement sensible au fait qu'on refasse des mini-décos, progressivement, peut-être qu'on réinsérera dans les émissions qu'on fera des anciens partenaires. Donc on fera venir Sylvain le tapissier, Rocco avec son petit foulard qui viendra poser de la résine. On fera des séquences, mais que deviennent-ils? Moi j'ai vu un article dans Télé 7 Jeux, là, un truc avec le chien là-dessus. Là, Télépoche, Télé Z. Ouais, voilà, un truc comme ça. Là. Que devient Phil? Que devient-il? C'est pas vrai. Ça, tu vois, c'est 10 ans de vanne. Je vais appeler la rédaction de Télé Z. Alors moi, je vais, voilà, s'il y en a chez vous, si chez vous, vous lisez Télé Z, et que vous avez vu passer cette photo de Phil avec « Que devient-il ?» dans Télé Z,
Je vous en supplie. On l'a retrouvé sous un pont. Ah, je vous en supplie. Il faisait la manche. Là sur la chaîne. Il faisait la manche en insultant les gens et en leur disant qu'il allait les maroufler et tout. Là, on va mettre une première couche, on va laisser sécher. Et 3 heures. 3 heures. 3 heures. Là, il faut bien respecter les temps de séchage, hein, c'est important. De séchage ? Ah bah oui, il faut bien répéter les temps de séchage. Et puis, nous appliquerons une dernière couche. Et puis, nous vous montrerons la beauté de cette table une fois terminée. T'as froid ? Oui, j'ai froid. Alors, la beauté de cette table, bah on voilà, en parle ? Est-ce qu'on parle de la beauté de cette table ? Les mots, ça sert plus à rien quand on voit ça. Voilà. Et là, on met ça dans une entrée, console d'entrée. Ici, on peut mettre un beau bouquet de fleurs. C'est chiquissime, enfin, c'est chiquissime. On avait décidé au début de cette magnifique aventure de la table de vous faire gagner un coffret d'une ponceuse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette ponceuse, Valérie ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez faire un petit montage photo. Non, pas sur moi encore. De moi et Phil en La Belle et la Bête. Parce que comme il y a les chandeliers, le château, tout ça, ça m'a fait penser à La Belle et la Bête. Ça peut être d'autres duos, hein. Laissez libre cours à votre imagination. Hein. Ça peut être n'importe quel duo qui vous fait rire dans les séries, les dessins animés, les clips, ce que vous voulez. Et pour ceux qui ne sont pas trop les pros du montage, ils peuvent aussi faire des... Bah, ils peuvent aussi découper des photos, hein, qui se chopent dans les magazines n'importe où. Vous les collez sur un papier, vous faites une photo avec votre téléphone et vous envoyez ça à... La chaîne à Valérie. Tout attaché en minuscules. gmail.com. La plus réussie de toutes les photos montage, trucage, tout ce que vous voulez, gagnera le coffret. Moi, ce que je veux, c'est des trucs rigolos, drôles, de duos emblématiques qui vous font rire avec nos gueules à l'intérieur. Mais pas okay, trop ridicule non plus quand même. Si, très ridicule. Moi j'aime quand on est ridicule. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Tu les aimes ? Ouais, grave. Si vous avez aimé ce tuto royal avec ces chandeliers, cette table extraordinaire, j'ai envie de vous dire abonnez-vous, lâchez vos coms, mettez des likes. Bon, et puis surtout, regardez les tutos d'avant, les tutos d'après. Abonne-toi. C'est chiquissime. C'est chiquissime. On vous aime.